J'aime beaucoup pratiquer au printemps la pêche avec mon camion. Oh, c'est cool, je viens d'arriver sur un joli petit plan d'eau. Il n'y a plus qu'à, ça va être cool. On va essayer de régler ça. Oh. Aujourd'hui, une petite session fort sympathique. Voilà, on est au mois de mars, tout début mars. Là, on est en pleine sortie de l'hiver. On vient d'avoir une belle période de beau temps, en fait. Et puis voilà, ce week-end, la météo avait l'air d'être très très changeante, ainsi que voilà, du vent, de la grêle, baisse des températures. Je sentais qu'il y avait un créneau à prendre. Bon voilà, le créneau il a été pris. Dès que je suis arrivé, j'ai fait des touches. Je pense qu'avec des petites approches minimalistes, avec des appâts un petit peu boostés et puis des quantités appropriées, on arrive à trouver des poissons en activité. Mais voilà, comme assez souvent à cette période, j'ai eu un gros coup de froid cette nuit. Je ne sais pas pour quelle raison, le vent était aussi glacial que du vent du nord et ma mère m'a ramené des giboulées de glace. Donc voilà, ça a mis la pêche en stand-by direct. Dès qu'il s'est mis à flotter, j'ai pris à peu près 5-6 heures de pluie et depuis, voilà, il n'y a plus aucune activité sur le plan d'eau. Donc je ne vais pas me plaindre, j'ai fait 3 magnifiques poissons en arrivant. Voilà, pour une pêche d'un petit week-end comme ça sur une petite eau de ma région, c'est plutôt sympa. Donc on a passé un bon moment dans mon camion, au chaud, tranquille. Voilà, pour rattaquer la saison en douceur, c'est plutôt pas mal.